Bonjour, je ne sais pas qui est là, mais bonjour. Déjà 7 personnes et je vois pas de... Non, je vois personne. Alors, il y a Ludivine, oh là, d'un seul coup, Sandra, Monique, Sylvie, bonjour. Florence, Isabelle. Bernadette, ça va bien, merci. Et vous, Bernadette, vous allez bien? Carole. Bonjour, Carole. Suis un petit peu en retard aujourd'hui. J'ai un problème technique à résoudre. Tout le monde va bien? Joyeuse Pâques à tous. Ça va, c'est pas trop dur avec le confinement? Les enfants, ils ont cherché les œufs ce matin? C'est pas grave, Sandra, on va essayer de trouver une solution d'ici ce soir, j'espère. Ah! Vous mangez de, tu manges de bonne heure, Florence. Oui, j'ai fait des nuggets. Mon mari s'est régalé. Ah, bah super. Ah, bah si, s'est régalé, c'est le principal. Monique, bonjour. Pas grave, nous sommes là. Isabelle, très difficile sans les petits-enfants. Bah oui, je me doute, hein. Moi aussi, c'est dur sans mes enfants. Mes enfants, ils sont à Champigny. Bon, ils sont grands, hein, mais... Bon, j'aurais bien aimé passer le Pâques avec eux quand même. J'ai un ami de mon oncle qui habite pas bien loin. Loin, ben on peut même pas se voir aussi. Avec des amis et ma mère, oui. Bah oui. Bon, bah vous êtes déjà 19, d'après ce que je vois, peut-être même plus. Parce que apparemment, après, je m'aperçois une fois que j'ai mis la vidéo sur YouTube que vous étiez plus. Donc, je sais pas. Je sais pas si bon. Alors, vous vous souvenez ce qu'on fait aujourd'hui à magret de canard au vinaigre de framboise? Moi, le vinaigre de framboise que j'ai, c'est du vinaigre que mon oncle a fait parce qu'il était très très cuisinier. Donc, il a pris. Alors, me dites pas comment il a fait. Je pense qu'il a dû prendre des framboises qu'il a mis. Bonjour Maria. Je pense qu'il a dû prendre des framboises fraîches ou pas fraîches, qu'il a mis du vinaigre blanc dedans et qu'il a laissé. Moi, j'ai fait hier, mais je les ai fait dans l'ultra-pro. Ben oui, c'est bien dans l'ultra-pro aussi. Donc, du vinaigre blanc avec des framboises. Je suppose que ce qu'il a fait, parce que vous voyez, c'est une petite étiquette fait maison. Hein. Donc, voilà. Alors, dans la recette, il faut un ou deux magrets de canard, selon le nombre que vous êtes. Il faut normalement des baies roses, mais j'en ai pas. Donc, ben, j'en mettrai pas. Du sel de Guérande, j'en ai pas trouvé, donc j'en mettrai pas non plus. J'ai un autre sel, bonjour Sylvie. J'ai un autre sel, ça fera l'affaire. Du poivre et du vinaigre de framboise. Hein, faut pas grand-chose. Donc, moi, quand je. Si vous. Il y a une personne qui me demandait hier, parce qu'elle voulait la boîte pour mettre la viande au frais, vous pouvez très bien mettre les viandes dans les boîtes en pilau frais, hein. Vous voyez, moi, mon magret de canard, j'ai mis dedans. Vous voyez? Merci, Nicole. Bonne fête de Pâques à vous aussi. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va prendre le magret et on va enlever un peu de gras. Voilà, pas beaucoup. Bonjour, Mandine. Alors, on met un peu de gras, on le met au fond du micro-pro, on met le couvercle comme ça, et on va mettre 3 minutes à 900 watts. C'est pour faire un préchauffage, si vous préférez.
C'est quand vous voulez faire une viande au micro-pro, il faut toujours préchauffer la viande. Bonjour. Il faut toujours préchauffer le micro-pro. Alors là, on a mis, parce que dans la recette, ils nous ont dit de mettre un peu de gras de canard. Mais si c'est pour un steak, vous mettez une tranche de pain, vous mettez à plat, vous faites préchauffer à 3 minutes à 900 watts. Ça va faire comme quand vous mettez... Bonjour Laura. Comme quand vous mettez votre poêle à chauffer sur le feu. Mais là, ça va être bien. Alors après, on va taillader un peu. On taillade. Ce que j'appelle taillader, c'est ça. Dans les deux sens. Et là, bah normalement, on doit mettre les baies. Mais comme j'en ai pas, bah je vais mettre autre chose. Moi, je vais mettre... Je vais trouver ça. C'est du sel d'Himalaya. Alors, si j'arrive à ouvrir... Ah oui. Je vais mettre un peu de sel d'Himalaya. Voilà. Je vais mettre un peu de poivre. Un peu de paprika et je vais mettre, si je me trompe pas, c'est des feuilles de pas de thym, hein, mince, si de thym du jardin. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Voilà, donc ça va bien rentrer dedans. On va attendre que les micro-pro soient chauds. Bonjour Chris, bonne joyeuse Pâques à toi aussi. Je vais mettre le... J'attends qu'il soit chaud, je le mets à cuire. Et puis après, on attend que ça cuise, hein, tout bêtement. Donc, on va pouvoir discuter un peu. Alors, on le fait préchauffer 3 minutes à 900 watts. On va le mettre côté pot 4 minutes à 900 watts. On égoutte tout le gras qui est autour. Bernadette, merci Martine pour l'explication de l'Ultra Pro. J'en profite plus pour cuisiner. Donne envie de cuisiner. Ah, bah, je suis contente. Bonjour Véro. Bouh, c'est pas là que je voulais qu'il atterrisse. Ah, c'est chaud, je me brûle. Donc, on en profite que... Donc, il soit bien chaud. Je mets côté pot. Je sais pas si vous entendez. Je mets... que ça se touche bien et je mets 4 minutes à 900 watts. Bon, là c'est plus que de la cuisson, il y aura le dégraissage. Ah, c'est bien, il y a quelqu'un qui répond. Alors, attendez. Oui, ma gueule de canard. Ça crépite. Ah, vous l'avez entendu, le crépitement, oui. Alors, là, on a une fois une cuisson de 4 minutes. On enlève le gras
comme on aurait fait dans une poêle. Donc le grain, on le garde, hein, on s'en sert pour faire des pommes de terre. On retourne le magret de canard. On remet 4 minutes à 900 watts. Et puis après, on laisse reposer 3 minutes. On laisse reposer 3 minutes. Et puis après, on mettra le vinaigre de framboise. Donc c'est une recette toute simple. Hein. Je ne suis pas très beaucoup fatiguée aujourd'hui. Et par contre, j'ai travaillé pour vous. Vous m'avez demandé des sauces pour le barbecue. C'est bien ça que vous vouliez. Alors, si c'est au micro pro que tu c'est à l'ultra au micro pro que tu veux faire le. Alors il fait 800, tu rajoutes une minute, une petite minute, ça devrait suffire. Alors, vous aviez demandé des sauces pour le barbecue. Hein? Alors, je vous propose. Alors, la semaine prochaine, c'est fait hein, le planning. Hein? Je vous rappelle que la semaine prochaine, mardi, on fait des oops shaker. Bonjour Maxime. Ça va bien? Alors, mardi, on fait des oops shaker. C'est des petits, comme des petits donuts, si vous préférez. Mercredi, on fait la pizza en pâte liquide. Jeudi, on fait un roulé à la confiture. Vendredi, on fait une génoise au micro-pro-grille. Samedi, on fait un taboulé. Et dimanche, on fait des flambis. Hein? Alors, vous m'avez posé la question, vous vouliez des sauces pour le barbecue. Hein? C'était bien ça. Alors, je vous propose. Bonjour Sylviane, joyeuse Pâques. Excusez-moi. Je vous propose le mardi d'après, donc le 21 avril. Je suis loin, j'ai fait mon. Regardez mon planning. Hein. Alors, 21 avril, le 21 avril, un sacré problème. Alors, le 21 avril, je vous propose de faire une sauce béarnaise. Le mercredi, je vous propose la mayonnaise sans œuf, sans œuf, pas sans œuf, ça se dit pas, et la sauce cocktail en même temps, parce qu'en fait, quand on fait une mayonnaise sans œuf, on peut faire la sauce cocktail en rajoutant un élément. Donc c'est pour ça que je fais les deux en même temps. Le jeudi, je vous propose la sauce aioli et la sauce ravigote. Le vendredi, j'ai plus trouvé de sauce à part la mayonnaise, mais tout le monde sait faire une mayonnaise, je suppose. Donc, je vous proposais le vendredi un mini flan au thon, que si vous ne voulez pas faire en mini, ben vous ferez en grand. Le samedi, je vous proposais pour utiliser le spiraliseur spirale de pommes de terre au crottin de chèvre. Et le dimanche, on pourrait refaire des oups, mais salés, des oups de carottes au curry. Ah bah ça vous va, c'est très bien. Je reviens, hein, j'essaie de ne pas me brûler, j'enlève la sauce.
J'ai eu un petit peu chaud. Alors, le spiraliseur. Il est dans le catalogue général maintenant, le spiraliseur. Est-ce que tu as le pied ou pas? Le spiraliseur, c'est ça. Alors, oui, t'as le pied. Alors, si tu dois acheter juste le spiraliseur, t'as l'adaptateur spiraliseur qui est à 56 euros, la manivelle, je pense que c'est la même, la manivelle. La manivelle, tu n'en as pas besoin, parce que tu as sûrement quelque chose. Tu as le cône à spirale à 11,50 €, cône à tagliatelle à 11,50 € et le cône à spaghetti à 11,50 €. Vous voyez? Pour ceux qui n'ont pas le pied, ils peuvent prendre l'ensemble. Et pour ceux qui ont le pied... Ils peuvent prendre ça. Si vous allez sur l'atelier virtuel, c'est ouvert jusqu'à ce soir, hein, l'atelier virtuel. Si vous avez des commandes à faire, n'oubliez pas la promo, hein, des 50% sur les bols frigo. Hein. Parce que c'est que cette semaine. La semaine prochaine, vous allez me dire, je veux les bols frigo. Ben, je vous dirai, c'est trop tard, c'était cette semaine. J'essaye de vous les retrouver. N'oubliez pas, sauce qui est barrée là, hein. Tout ça pour 47 euros au lieu de 100 euros, plus de 100 euros. C'est jusqu'à dimanche, donc jusqu'à ce soir. Mon atelier, il va jusqu'à 22 heures, donc vous avez le temps, hein. Vous avez des questions sinon? Ouais, d'accord, donc tu as besoin que du... Bonjour Audrey de la Martinique. Bon, le planning vous plaît. Sans produits laitiers, allergique à la caséine pour moi. Maillot sans produits laitiers. Ben, une mayonnaise normale avec des œufs, je dirais moi. Parce que la mayonnaise sans œufs, elle est justement avec des produits laitiers, donc ça va pas. T'as quoi, Nicole? T'as le spiraliseur aussi? C'est rare chez moi. Ah, t'as le spiraliseur. C'est bien le spiraliseur, Nicole. Hein, je vais le laisser dans le... Je le laisse un petit peu refroidir. Il faut le laisser 3 minutes. Parce qu'il s'est arrêté, mon micro-ondes. Je le laisse 3 minutes en repos. Il se faut 3 minutes. Et après, on déglace avec du vinaigre. Des recettes pour le Speedy 2. Vous avez tu as le Speedy 2, Isabelle? Dans le Speedy 2, on peut faire ce qu'on va faire la semaine prochaine, on fait des oops. Les oops, les recettes sont faites avec... Quand tu as acheté le Speedy 2, on t'a donné un livre, non?
Parce qu'en fait, l'avantage du Speedy 2 par rapport au Speedy normal, c'est que par exemple, si tu veux faire un gâteau, avec le Speedy, tu peux pas. Tu es obligé de bon, mélanger tes blancs en neige si tu as besoin, mélanger ton jaune, etc. Non sur Internet. Ah, ok. Et t'as pas eu le livre? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, dans le Speedy 2, tu peux faire tout ce que tu fais sur le Speedy 1, c'est-à-dire la mayonnaise, tu peux monter des blancs en neige, la chantilly, plein de choses. Et tu peux faire en même temps, tu peux faire des gâteaux. Le gâteau, quoi, les oops qu'on va faire, normalement, ils sont shakers. Ben, moi, je vais le faire dans les Speedy 2. Comme ça vous fera des recettes de Speedy 2. La pâte liquide pour la pizza, je la ferai dans le Speedy 2. Pour faire les glaces, Serenia, c'est génial, d'accord, oui. Le roulé à la confiture, je le ferai dans le Speedy 2. La génoise pour le micro-pot gris, je ferai dans le Speedy 2. Je vais tout faire dans le Speedy 2 finalement, hein. Voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, j'attends encore un petit peu, encore 1 minute. Attention le chien. Attention le chien. Alors, il y a une odeur. Je vous dis que ça, hein. C'est Joël. Coucou Marquet, est-ce que tu pourrais faire des petits babas au rhum? Oui, la semaine d'après. Alors, on peut poser sur la table, hein, avec le. Ah, ok. Je vous montre comment il est, mais pour pas le renverser. Je vous mets comme ça, comme d'habitude. Voilà, attendez. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose là. Vous voyez? Il est bien grillé, hein? Oui, ça sent bon le chien. Après, on l'entend qui crépite, oui. Après, je vais prendre ma cuillère mesure de 15 millilitres. Je vais prendre mon vinaigre de framboise. Je le mets dedans. Et je mélange. De façon à ce que ça prenne tous les sucs. Et je mélange mon. Ah, fallait que j'enlève la sauce. Ah, ben tant pis. Normalement, dans la recette, la deuxième fois, il faut encore enlever la sauce. J'ai oublié. C'est pas grave. Et après, on met le vinaigre. Je vais mettre un peu plus de vinaigre. Ça compensera le gras. Voilà. Voilà. Donc ça fait pareil que tout à l'heure, sauf qu'il y a du vinaigre en plus, hein. Je remonte un petit peu comment c'est. Voyez? Bon, le vinaigre de. Une fois qu'il est bien mélangé, on. Ça, puis avec le gras du canard que vous avez. Vous faites des petites pommes de terre et ça vous fait un superbe repas. Voilà. Ah, attendez, je suis pas revenu comme il faut. Voilà, j'étais pas revenu comme il fallait.
Donc voilà ma petite recette. Oh, c'était pas grand chose aujourd'hui. Il est bien grillé. Ben oui, c'est l'avantage. Ça se mange au, ça cuit au micro-ondes, mais c'est grillé. C'est l'avantage du micro-pro. Ah ben j'y suis pas pour grand chose, hein, Maxime. C'est le micro-pro qui a tout fait, hein. Miam. J'ai donné envie à tout le monde. Ben moi ça sent bon, hein. Vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage parce que moi ça sent très bon, hein. Ah, heureusement que je mangeais en même temps. Ben oui. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Joyeuse Pâques à tout le monde. Passez une bonne soirée. Demain, bon, pour moi, je fais relâche, hein. Et puis on se retrouve mardi pour les oups. D'accord. Alors, ceux qui n'ont pas encore passé commande, ben allez-y vite. Plus vite vous le faites, plus vite c'est fait. Et puis, moi, comme ça, ça me rend compte pour ce que je peux, combien je vais pouvoir envoyer. Et puis, bon dimanche. Bisous, bisous à tout le monde.